l'une des très belles façons de gérer notre calme sans médicaments, parce que les gens tombent très très vite dans les médicaments. Autant ils doutent du développement du leadership, du développement personnel, de la croissance personnelle, du coaching, ils en doutent. Mais en revanche, ils ne dorment pas. C'est très irrationnel, ça. Finalement, les gens ont un comportement très irrationnel. Lorsque vous dormez, vous devez le savoir, votre cerveau se recharge. Je ne plaisante pas, il se recharge littéralement. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remuer les souvenirs du jour. Et puis, il va les stocker ou les jeter. Hein, c'est ce qui provoque d'ailleurs les rêves, vous le savez. C'est cette gestion des informations qui restent et qui s'en vont. Et vous allez vous réveiller lucide et clair. Le sommeil, c'est extrêmement important pour votre maîtrise et votre mémoire aussi. Vous allez travailler énormément cela, votre mémoire grâce au sommeil. La privation de sommeil, écoutez les enfants, c'est pas compliqué. La privation de sommeil, toutes les études le démontrent, augmente les niveaux d'hormones du stress lui-même, le cortisol notamment, qui est lui-même un facteur de stress. Donc, les projets stressants vous empêchent de dormir. Faites en sorte de faire du sport, de bien manger, d'avoir une vie saine. Et même si vous travaillez beaucoup, préservez votre santé.